Bonjour à tous et toutes. Comme vous avez pu le constater dans les médias, ils ont sorti un article disant que j'avais commis une fraude de 125 000 $ à une personne malade. Je dis pas que l'histoire au complet est fausse, c'est vraiment pas le cas, sauf que il y a beaucoup de déformations médiatiques. L'histoire en arrière de ça, c'est que voilà 11 ans de ça. Moi et mon partner, qui est présumé victime, devions acheter de la L-glutamine en injection qu'on devait revendre dans des gyms. Ça n'avait rien à voir avec la maladie ou quoi que ce soit. Je pense que dans ce temps-là, je ne savais même pas qu'il était malade. Je savais que c'était fait enlever une couille, mais sans plus. Bref, l'histoire véridique, c'est pas ce que les journalistes, les journaux ont raconté. On devait vendre ces produits-là. De base, c'était illégal de vendre ces produits-là. Et la personne avec qui j'ai eu ces problèmes-là, lui, s'en est sorti haut les mains. Je veux juste mettre un point là-dessus. Ça fait 11 ans de ça, bientôt 11 ans de ça. Je croyais en la justice canadienne. Je croyais aussi à ce moment-là que les choses allaient s'arranger. On m'avait offert, voilà 11 ans de ça, on m'avait offert de mettre fin à cette histoire-là avec un paiement de 80 000 $ puis qu'aucune accusation serait portée ou quoi que ce soit. J'avais été conseillé à ce moment-là par l'avocat avec qui je faisais affaire. L'avocat m'a dit non, paye pas ça, on va aller en enquête préliminaire, ça va se conclure là-dessus, ça va s'arrêter. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté mon avocat, j'ai écouté le conseil de mon avocat à ce moment-là. Et je me suis planté, j'aurais pas dû l'écouter. J'aurais dû régler ça autrement. Je tiens vraiment, ma parenthèse, c'est vraiment de dire ce que j'ai fait, voulons-en, je me le pardonne pas aujourd'hui. Mais je suis pas un fraudeur qui a fraudé pour 125 000 $. Je suis quelqu'un qui avait un partenaire avec qui on a voulu faire des choses qui n'étaient nécessairement pas légales à ce moment-là. Et c'est moi qui ai écopé de tout. Lui, il s'en est sorti. Donc, la présumée victime, en fait. Donc, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36. J'ai pas tué personne, j'ai pas agressé personne, bref, j'ai fait une connerie, puis j'en assume les conséquences aujourd'hui. Mais de là à dire que j'étais un crosseur, un fraudeur, ainsi et ça, non. Non, non et non. J'ai pas le choix d'accepter la décision du juge, même si le juge, sans le savoir, a brisé une grosse partie de ma vie lundi dernier. Parce que mes choses allaient relativement bien. Là, c'est sûr que les choses changent un peu. En fait, plus qu'un peu. J'ai perdu beaucoup. J'ai perdu ma famille. J'ai perdu le respect des gens autour de moi. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, voire mois. J'ai aucune idée. Une chose que je sais, c'est que j'ai pas le choix aujourd'hui de payer pour mes bêtises. Donc, voilà. Je veux juste mettre cette parenthèse-là sur cette histoire-là. Je vais faire ma peine comme je dois la faire. Puis, that's it. Je veux juste que vous ne soyez pas méchants envers ma famille, mes amis ou quoi que ce soit. Je veux juste que quand j'ai vu des commentaires, que sacrément, c'est drôle que ça vienne de ces gens-là. Les gens, les bons citoyens font comme, OK, Pat, t'as fait une erreur, voilà 10-11 ans, cool. Tu sais, c'est correct, tu payes pour, puis c'est correct. Mais ceux qui me traitent de crosseur, de connard, de peu importe, asti, c'est tout des tout croches. En tout cas, sur ce, je viens de, pour la première fois de ma vie, voir un agent de probation. Et je retourne à la maison pour faire ma peine. Est-ce que je regrette aujourd'hui? Je regrette d'avoir voulu faire de l'argent rapide avec quelqu'un qui m'a, malgré moi, bien eu. Sur ce, bonne journée. Puis ça change pas la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que je suis une bonne personne.